He's seen and experienced firsthand the evolution of lacrosse technique and equipment from the final decades of the 20th century into the early stages of the 21st. His primary field of research has been focused on the origins of this first edition sport. Notre deuxième grand conférencier ce matin sera Daniel Ferrer. Son présentation sera sur l'importance et le rôle culturel du jeu de lacrosse. Daniel Ferrer est détenteur d'un baccalauréat et d'une maîtrise en histoire de l'Université de Sherbrooke. Cette historienne s'intéresse au jeu de lacrosse depuis longtemps. Il a pratiqué ce sport pendant plus de 40 ans. Il a ainsi pu voir par lui-même l'évolution de la technique des jeux et des équipements associés au jeu depuis la fin du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Les origines du jeu de ce sport amérindien ont fait l'objet de ses recherches principales. Daniel? Oui, merci. Bonjour tout le monde. Je vais vous parler aujourd'hui de l'Iroquoisie ancienne, de l'adoption du jeu de lacrosse par les Européens, la ségrégation raciale et la transposition du rôle des Mohawks en figurant folklorique. En guise de conclusion, je vais vous parler de la tournée d'exhibition en 1883 dans les îles britanniques. Pour saisir toutes les significations du jeu de lacrosse dans la culture Mohawk, il m'a fallu dans un premier temps bien comprendre les mécanismes sociaux des Autochtones. Il m'a fallu comprendre aussi comment le rythme de lacrosse s'introduisait dans une société matriarcale et clinique. Comment il s'introduisait par rapport à la règle du don, par rapport à la guerre, à la spiritualité, à la médecine. Tout ceci dans le but de concevoir ce que représentait le jeu de lacrosse pour les Mohawks. Donc, je vais donc commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'était que la règle du don chez les Mohawks. Okay. Dans la société iroquoise, la règle du don jouait un rôle fondamental. La nécessité de partage était même synonyme de survie. Bien entendu, la subsistance d'une tribu, d'un clan, passait par le partage des produits de la terre, de la chasse, de la pêche. Il était d'une grande importance que toutes les ressources du clan soient mises en commun pour éviter que celui-ci ne tombe dans la précarité. Si des objets personnels tels comme des bijoux, des armes, des outils appartenaient à leur propriétaire, eh bien, il en était tout autrement en ce qui concerne la nourriture. Donc, le don constituait la clé de l'univers social des Mohawks. Obligation de donner, obligation de recevoir et de rendre également. Bien plus qu'un code, le don et par conséquent l'échange constituait la règle fondamentale des relations sociales chez les Mohawks. De plus, chez les Mohawks, les membres les plus en vue étaient ceux qui redonnaient le plus. Et ceux qui se distinguaient également à la guerre. OK. Pour la société iroquoise, la guerre ne représentait pas un moyen d'acquérir par la violence un territoire convoité ou encore d'atteindre différents objectifs individuels ou sociaux. La guerre représentait plutôt pour la société iroquoise ancienne un acte culturel total. La guerre était d'abord pour eux un comportement qui reflétait un produit de leur identité culturelle et la résultante d'un environnement rébarbatif. En général, la société iroquoise ancienne faisait tout en son pouvoir pour éviter que le sang ne coule, en dédommageant la famille qui avait subi un affront important. Ainsi, la communauté à laquelle appartenait l'individu responsable d'un litige mettait tout en œuvre pour obtenir une réparation satisfaisante, préférant ce genre de règlement à l'amiable à une vengeance dans le sang. Concernant le jeu de lacrosse, une guerre mimée, imaginez-vous les premiers Européens au 17e siècle qui assistèrent pour la première fois à une partie de crosse. Devant eux, ils trouvèrent 200-300 guerriers les uns contre les autres, et à cette époque, tous les coups à peu près étaient permis, que ce soit accrocher l'adversaire, le faire trébucher, lutter avec son adversaire. À ce moment-là, les Européens en ont conclu que ce jeu était uniquement pour conditionner les guerriers à la guerre. Il faut pas que également, le bâton de crosse ressemblait étrangement à la massue de guerre des Iroquois. Et au point de vue lexicologique, le bâton de crosse et la massue de guerre s'écrivent à peu près de la même façon. Il n'est pas étrange que certaines tribus, telles que les Cris de l'actuel État de l'Oklahoma, aient appelé ce sport le petit frère de la guerre. Mais en réalité,
Mais en réalité, ce jeu de balle est en même temps un rituel de paix, d'échange pour les mères. Ce jeu servait à évacuer ou à canaliser la violence au sein d'une tribu ou entre tribus. Okay. Donc, avant l'arrivée des Blancs en Amérique du Nord-Est, parce que là, je vais parler un peu du contexte économique avant l'arrivée des Blancs. Donc, avant l'arrivée en Amérique du Nord-Est, le commerce existait déjà dans un espace culturel et économique où circulaient humains et marchandises. Et les Iroquois étaient très impliqués en ce qui concerne le commerce, même si à l'interne, c'était basé sur le système de dons dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, la crosse intervenait également lors de rythmes de guérison et était fondée sur un code de générosité et d'hospitalité. Le jeu de crosse jouait, comme je vous le disais, un rôle au point de vue économique. Il servait à établir des liens commerciaux entre différentes tribus. Et lorsque deux tribus n'arrivaient pas à s'entendre, on organisait une partie de crosse. Et puis, le gagnant de la partie de crosse, eh bien, se voyait octroyer tout ce qui avait été parié, parce que les Iroquois pariaient énormément. Que ce soit des fourrures, des armes, des bijoux, etc. Et après, on redistribuait toutes ces richesses-là, à chaque membre de la tribu. Et vu sous cet angle, le jeu de la crosse pouvait, à l'occasion, améliorer le statut économique de la tribu tout entière. Et en même temps, on diminuait les tensions sociales qu'il y avait au centre de la tribu. Même chose lorsque un terrain de chasse, deux tribus voulaient acquérir le même terrain de chasse, on organisait une partie de crosse et le gagnant se voyait octroyer le terrain de chasse en particulier. Et on ne pouvait pas remettre cette décision, car là était la volonté du Créateur. La crosse et les rituels curatifs. Les hommes médecine iroquois utilisaient trois types d'approches différents pour guérir un malade. Premièrement, ils faisaient appel aux forces de la mère terre pour remédier à la situation, qu'il y ait des plantes médicinales, on les donnait. Et si ça n'avait pas fonctionné, l'homme médecine iroquois était à l'écoute des désirs du malade. Si ce dernier avait rêvé ou désirait une partie de crosse pour retrouver la santé, eh bien, c'est tous les membres de la tribu qui participaient pour que ces derniers retrouvent la santé. C'est comme si la tribu avait mal à un de ses membres. Et puis, si les deux premières approches n'avaient pas fonctionné, c'est probablement parce qu'un homme médecine d'une autre tribu vous avait jeté un sortilège. Et pour effacer ce sortilège, votre homme médecine se devait de sortir le sortilège de votre corps. Et puis, si les trois façons n'avaient pas fonctionné, eh bien, à ce moment-là, vous ne pouviez pas remettre les compétences de l'homme médecine, car là est encore la volonté du Créateur. La crosse jouait également un rôle éducatif. Il servait à former physiquement et mentalement les jeunes Mohawks. Ceux-ci apprenaient dès leur jeune âge à canaliser et à détourner la bellicosité inhérente à la culture amérindienne en faisant des affrontements simulés, c'est-à-dire la crosse. Donc, c'était en quelque sorte une espèce de métaphore de la guerre et son antidote en même temps. La crosse faisait partie des rites initiatiques. On s'en servait pour habituer les jeunes guerriers aux tactiques de combat. On développait chez ces derniers certains attributs physiques tels que l'impétuosité, la finesse, leur cardiovasculaire et par le fait même leur force. Il semble que les jeunes Mohawks recevaient de leur enfance une éducation qui les préparait à soumettre leur corps et leur esprit aux plus dures épreuves. La crosse servait également aussi à renforcer l'esprit communautaire, à renforcer aussi l'autorité du chef de clan et à renforcer aussi l'autorité de l'homme médecine. Pour les Mohawks, la crosse représentait une expérience mystique, une activité qui servait à témoigner au Créateur et à la Mère Terre l'excellence de ses actions, de sa force et son implication dans sa communauté. Et le jeu de la crosse également, comme je le disais, faisait partie des rythmes de guérison. Les Mohawks jouaient à la crosse pour fêter des cycles, des événements, des naissances, des mortalités, honorer les bonnes actions des personnes et honorer la bravoure des guerriers. Maintenant, l'adoption du jeu de la crosse par les Européens. Pendant les premières décennies du 19e siècle, on utilise
encore les rituels de la crosse pour initier certains membres de notre tribu. Ce fut le cas en 1833, lorsque Caughnawaga et Kanawaki, Saint-Régis anciennement, avaient initié 5 de les nouveaux chefs. Et les traditions entourant la crosse existaient toujours. C'est-à-dire qu'on implorait toujours l'esprit des animaux pour qu'ils nous viennent en aide, qu'ils nous guident durant la partie de crosse. Et ils nous transmettaient par le fait même leur force, leur agilité, leur ruse. Et pendant ce temps, l'intérêt pour le jeu ne s'était pas encore manifesté chez les Européens. Pour eux, c'était encore un jeu qui se pratiquait entre les sauvages. Et donc, pour eux, à cette époque-là, c'était en quelque sorte une simple curiosité. L'adoption du jeu par les Européens va connaître deux temps forts. Premièrement, avec les premiers matchs entre les Blancs et les Mohawks, entre les années 1842 et 1851. Deuxièmement, avec l'explosion du nombre de clubs à l'ère de la Confédération canadienne dans les années 66 et 1870. Le réveil de l'intérêt des Européens pour le jeu de la crosse avait d'abord commencé suite à l'organisation de joutes d'exhibition entre Mohawks seulement. Il faut attendre le 24 septembre 1834 pour voir la première fois un article dans un journal qui fait la promotion d'une partie de crosse qui avait lieu entre deux équipes de Caughnawaga. Et ça avait été organisé par des anglophones et des Écossais de la ville de Montréal. Entre les années 1842 et 1851, les Mohawks dominent à peu près tous les aspects du jeu, encore une fois, que ce soit dans le maniement du bâton, que ce soit à la course à pied ou que ce soit dans l'exécution de jeu. Même si les Européens ne pratiquent pas régulièrement ce sport, on assiste toutefois en 1851 à la première victoire d'une équipe entièrement de blancs sur une équipe de Mohawks. En évoquant cette première période d'implication des Européens, le docteur William George Beers va rendre compte jusqu'à quel point les Mohawks étaient tenus en haute estime de la part de leurs adversaires européens. On les admirait pour leur grande force physique, leur agilité et pour leur corps athlétique. Vers les années 1856-57, on assiste à un engouement sans précédent chez la jeune génération de Montréalais. Un engouement si extrême que les autorités municipales sont obligées de confiner tous ces jeunes-là dans des parcs, dans des endroits bien spécifiques, tels que les champs de Mars. Et la raison pour laquelle on en arrive à faire ça, c'est que Montréal n'avait pas vraiment évolué depuis la Nouvelle-France. Il y avait toujours des rues étroites et des espaces circonscrits. Entre les années 1857 et 1860, la crosse devient un sport moderne. L'organisation du sport moderne de la crosse commençait donc à voir le jour dans les années 1857-1860. En 1859, on assiste à la création de 9 clubs, dont le fameux Beaver Club, pour lequel le Dr. William George Beers avait évolué à titre de gardien de but. Et dans les 4 années qui vont suivre, la création du Montreal Lacrosse Club, entre les années 1856, la crosse moderne prend son envol. Entre les années 1861 et 1866, la crosse va connaître un déclin assez fulgurant. Et ceci sera à cause de la guerre de sécession qui avait lieu au sud des frontières de l'Amérique du Nord britannique. Donc, les gens étaient beaucoup plus inquiets par ce qui se passait au sud, fait qu'on avait moins l'idée à des sports de loisirs. Il va falloir attendre le 24 mai 1866 pour voir à nouveau une partie de crosse. Ce sera entre Ottawa et Montréal, et c'est pour souligner la fête de la Reine le 24 mai 1866. Et l'équipe de Montréal avait remporté, évidemment, la partie. Le développement d'une participation accrue de la part des Européens dans le jeu de la crosse va entraîner de nombreux changements matériels et techniques. Et pour continuer de jouer contre des équipes européennes, les Mohawks vont devoir unir leurs forces, c'est-à-dire que l'équipe de Caughnawaga et celle de Saint-Régis ou Aquasesni vont mettre leurs forces ensemble pour continuer à rivaliser avec les équipes euro-canadiennes. En 1860, on va assister à la codification des règlements du sport de la crosse avec l'arrivée du Dr. William George Beers, dentiste, athlète, éditeur, auteur et rédacteur en chef de la revue Dentistry. Cet homme est qui à Montréal le 5 mai 1841, de parents d'origine de l'Irlande du Nord. Cet homme va apporter un apport intellectuel important à la ville de Montréal et aussi un apport côté sportif important.
Côté intellectuel, il sera un des premiers à favoriser la création d'écoles dentaires. Il va faire des pressions sur le gouvernement pour que celui-ci passe une loi pour reconnaître la profession de dentiste. Il va écrire également plusieurs articles dans des revues d'art dentaire américaines. Côté sport, la crosse en ce qui nous concerne, en 1860, le docteur Beers va structurer puis rendre scientifique le jeu de la crosse. Il va le codifier également. Grâce aux efforts du Dr. Beers, on assiste à la fondation de la National Lacrosse Association. Elle voit le jour en 1967 et adopte dès le départ les règlements que le Dr. Beers avait écrits dans sa fameuse brochure de 1860. Les principaux changements sont les suivants, et ces changements qu'il a apportés sont toujours en pratique aujourd'hui en 2017, peut-être avec de légers changements, mais... En ce qui concerne le nombre de joueurs, autrefois, il pouvait y avoir 12 joueurs dans une équipe, puis votre adversaire en avait peut-être une vingtaine. Avec le Dr. Beers, désormais, il va y avoir 12 joueurs de chaque côté. Et puis, chaque joueur va avoir un rôle bien spécifique à remplir. Il y avait le goaler, le inside, le pointman, le home, etc. Chaque joueur avait, comme je vous disais, un rôle bien précis à jouer. Deuxièmement, il va limiter la surface du terrain, ce qui va avantager les joueurs euro-canadiens au détriment des joueurs Mohawks qui ne pourront plus s'exprimer autant qu'ils le faisaient autrefois. Donc, maintenant, le terrain va mesurer un demi-mille de long et sera clôturé par des petits fanions ou des drapeaux pour délimiter le terrain. Ensuite, on va modifier également le temps de jeu. Le temps de jeu qui, autrefois, ça pouvait durer une partie pendant une journée, des fois même deux jours. Désormais, le temps de jeu sera de 2 heures sans interruption. Et puis, on fait ça parce qu'on doit s'adapter aux nouvelles réalités urbaines et industrielles de la ville de Montréal. L'équipement également va changer. Autrefois, je vous donne 2-3 petits exemples. Autrefois, pour les buts, on prenait des perches, des arbres, des branches. Pour faire les buts, maintenant, c'est des petits fanions, des drapeaux. La balle aussi va subir des transformations. Cette balle qui, au départ, était noire, et fait de bois. Avec le Dr. Beers, maintenant, elle sera blanche et fait de caoutchouc. Donc, le Dr. Beers impose également un code vestimentaire. Désormais, chaque équipe, que ce soit Toronto, Ottawa, Cornwall, peu importe, chacun va avoir ses couleurs pour différencier telle équipe de telle équipe. Le développement de la crosse moderne. En 1866, on assiste à la création d'une ligue compétitive qui sera à l'origine du premier championnat canadien qui avait eu lieu le 13 octobre 1866 et dont Montréal avait remporté le championnat. Il y a donc 6 équipes, Toronto, Cornwall, Ottawa, Montréal et bien entendu 2 équipes Mohawks, c'est-à-dire Caughnawaga et Saint-Régis ou Aquasessini. Donc, cette structure sera incorporée en 1967 sous le nom de la Canadian National Lacrosse Association et qui comprendra, comme je vous le disais, 6 clubs. En 1967, c'est la grande expansion du sport de lacrosse. Le 1er juillet, on comptait peut-être une dizaine de clubs au Canada et 5 mois seulement plus tard, on va en compter plus de 80. Cependant, on assiste dès la convention annuelle de 1868 aux premières mesures d'exclusion des Mohawks. Donc, désormais, tout joueur Mohawk ne pourra plus évoluer pour une équipe de blancs. Et la raison pour laquelle on en arrive à ça, c'est qu'on commence à les considérer comme des joueurs professionnels. Mais, cependant, ils pourront évoluer pour des équipes de blancs si la Canadienne nationale lacrosse le permet. Donc, il est significatif que l'année 1868 soit la dernière année où une équipe Mohawk avait remporté le championnat canadien. De leur côté, les Mohawks continuent quand même à jouer un rôle important dans la promotion et l'expansion du sport de lacrosse, tant aux États-Unis qu'au Canada et qu'en Europe. Mais cependant, ils continuent à organiser des parties d'exhibition entre eux et ils sont toujours aussi populaires dans l'imaginaire des Montréalais, autant qu'ils l'avaient été par les années 1850-1860. 1879, la crosse est désormais bien implantée partout au Canada et aux États-Unis. On a donc de moins en moins besoin des équipes Mohawks pour faire la promotion du sport de la crosse. En 1867-1880, on élimine officiellement non seulement les joueurs, mais on élimine aussi les équipes Mohawks de l'Association canadienne, car la Canadian National Lacrosse Association
se donne le statut d'amateur. Désormais, aucun Mohawk ne peut évoluer pour aucune équipe. On assiste donc à une certaine discrimination raciale à ce moment-là. Et c'est le 4 juin 1880, donc, l'association de lacrosse se donne le statut d'amateur. Cependant, il y aura toujours des joueurs Mohawks qui voudront infiltrer les équipes de blancs avec la complicité des propriétaires de ces équipes-là. Puis pour ce faire, les Mohawks vont se faire couper les cheveux, se laisser pousser une moustache et vont s'interdire de parler leur propre langue entre eux. Le Canadian Lacrosse Association va sévir de façon exemplaire lorsque surviendra le fait que des joueurs Mohawks infiltrent des équipes. Ce fut le cas dans les années 1880, lorsque l'équipe de Cornwall avait inséré dans son équipe 2-3 joueurs Mohawks. Les joueurs de Montréal s'en étaient aperçus, avaient porté un protêt auprès des arbitres qui, eux, en avaient fait part à l'association de crosse. Et on avait tout simplement retiré la victoire de Cornwall pour la donner à celle de Montréal. Toutefois, après cette exclusion, les Iroquois ne s'en laisseront pas imposer et vont former leur propre ligue. Ce qui m'amène à vous parler de la tournée d'exhibition dans les îles britanniques de 1883. Dès le départ, on va assister à la discrimination de la part des Blancs vis-à-vis des Mohawks. Les Mohawks ne partageront pas les mêmes hôtels que les Blancs. On va inviter, après chaque partie d'exhibition, on va inviter l'équipe euro-canadienne à des banquets. Ce que les joueurs Mohawks ne pourront pas faire, car dans leur contrat, il était spécifié qu'ils n'avaient pas le droit de consommer d'alcool. Un seul personnage va pouvoir assister à tous les banquets, et c'est leur capitaine, un homme assez coloré, qui portait le nom de Big John. Celui-ci rejoignait un peu l'imaginaire que les Européens se faisaient à cette époque-là, des Autochtones. Il portait son costume traditionnel avec ses peintures de guerre, etc. Disons que les Britanniques avaient été fort déçus de constater que le reste de l'équipe Mohawk ressemblait étrangement aux joueurs euro-canadiens. En ce qui concerne les objectifs également, les objectifs pour l'équipe canadienne étaient de populariser le sport sur la scène internationale et développer une concurrence internationale. Deuxièmement, on voulait stimuler l'immigration britannique au Canada dans les territoires du nord-ouest canadien. Et je crois que c'est la principale raison de cette tournée de crosse dans les îles britanniques. On voulait également exhiber l'œuvre civilisatrice de l'Église et de l'État face à cette équipe Mohawk. Les Mohawks étaient rémunérés également, les objectifs de l'équipe Mohawk étaient différents. Pour eux, c'était le prestige et la fierté. Et bien entendu, ils étaient également rémunérés. Contrairement à l'équipe canadienne qui, elle, ne l'était pas, les joueurs devaient débourser de leur propre poche pour participer à cette tournée, qui, en passant, durait une tournée de 2 mois et demi. On voulait également frapper l'imaginaire du public. Dans le but de populariser le sport de lacrosse, les organisateurs, dans leur stratégie, avaient voulu frapper l'imaginaire du public en exhibant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le capitaine de l'équipe Mohawk, c'est-à-dire Big John. Celui-ci rejoignait l'imaginaire que les Européens s'étaient fait des Autochtones à cette époque. Donc, il paraît peut-être paradoxal qu'une tournée voulant faire la promotion d'un sport amateur fasse appel à des équipes professionnelles. Si cette contradiction appuie l'hypothèse que la promotion du sport n'était pas un objectif important, mais c'était, comme je vous disais, l'immigration. La grande question de l'heure pour le Canada était de faire en sorte que le vaste territoire du nord-ouest canadien, où il y avait de grandes terres agricoles, soit colonisé et exploité par des Britanniques. Cependant, il faut se rappeler que Louis Riel et ses métis revendiquaient des droits nationaux à cette époque. Donc, ça venait contrarier les plans du premier ministre de l'époque, c'est-à-dire Johnny Macdonald, de la Compagnie de la Baie-du-Tson et du Canadian Pacific. Après avoir vu ses actions baisser de façon considérable, la Compagnie de la Baie-du-Tson avait commencé à acheter le plus de terrain possible, imitant par le fait même les spéculateurs fonciers de l'époque
tels que Donald Smith, qui lui avait acheté plusieurs lots le long de la rivière Rouge, mais là où déjà vivait une population métisse bien organisée. Donc, l'objectif pour les spéculateurs fonciers et le gouvernement était les mêmes. On voulait se débarrasser de Louis Riel et de ses métisses le plus vite possible. Et on l'a malheureusement fait. Le 16 novembre 1885, Louis Riel a été pendu. OK. L'immigration étant, comme je vous disais, la seule façon de faire fructifier ces investissements, et seul un contrôle par le gouvernement canadien constituait une garantie. Et puis, évidemment, par la suite, les compagnies étant rassurées et par le fait qu'on s'était débarrassé finalement des métisses qui occupaient déjà ces terrains. Et entre-temps, après chaque partie d'exhibition, il y avait le révérend Lucas qui, lui, faisait la promotion du colonisme canadien pour attirer les immigrants britanniques, mais sans toutefois faire allusion aux troubles que son gouvernement rencontrait dans les territoires du Nord-Ouest face aux métisses. On peut par conséquent avancer l'hypothèse que la participation d'une équipe Mohawk dans la tournée avait surtout comme objectif d'attirer les classes populaires en faveur de l'immigration en exhibant une équipe Mohawk pacifiée, civilisée. Si cette hypothèse s'avère correcte, on ne peut qu'être frappé par le cynisme, le machiavélisme d'une opération qui consistait à exhiber un groupe d'Autochtones dans le but principal de promouvoir un mouvement d'immigration vers le Nord-Ouest, ayant pour effet le remplacement des Autochtones et de leurs cousins métis dans ces territoires. En guise de conclusion, donc, les Britanniques il y a un désenchantement qui se produit d'un point de vue anthropologique. On était loin de la description de James Fenimore Cooper à travers ses romans d'aventure, dont un en particulier, Le dernier des Mohicans, qu'il avait publié en 1826. Il les avait décrits comme ayant une imposante stature, aux muscles volumineux, à la peau rouge, aux cheveux noirs charbon, ayant des peintures de guerre et dégageant un air féroce de l'animosité, etc., et portant des habits traditionnels faits avec des peaux de bêtes et ayant des chapeaux de plumes descendant jusqu'au mollet. Donc, la première fois que les Britanniques ont aperçu sur le terrain, en même temps que l'équipe canadienne, ils se sont rendus compte que les joueurs Mohawks ne différaient pas grandement des joueurs canadiens. Donc, une grande déception. Y avait-il eu complicité des organisateurs qui savaient très bien que l'intérêt principal de ces joutes était l'exhibition, était l'équipe Mohawk pour attirer le plus de monde possible? Donc, les Britanniques venaient de perdre leurs illusions face à ce que les Autochtones étaient devenus. Ceux-ci s'étaient intégrés à leur façon à la civilisation moderne. Merci beaucoup. Des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent français? Oui? Tu me transmettras. Hein? Marty va traduire. Excluded from the professional. And there was also a
slide there, again, my French is very poor, but when they went over to England, the native players were allowed to go to the Zooms and the outings, but weren't invited to the banquet, is that? Yeah, not, there weren't any invited to the banquet except for Big John, because for them, they didn't look that much native, but Big John with his Hollywood clothing was more looking like John Cooper. Okay, now that makes a bit more sense. Thank you. Okay. Thank you, Marty. OK, d'autres questions? Jean-François, non? Ça va? Monsieur? Il y avait Nouvelle-Zélande, New Zealand, Australia, New Zealand. Je crois qu'en Australie. Comment tu dis? Yeah. C'est en 1878 que les Canadiens sont allés en Australie et en Nouvelle-Zélande pour faire la promotion de la crosse. Yeah. Okay. Oui, 1878. Oui. Ah, je risquerais peut-être le nom de le capitaine de l'équipe canadienne qui avait fait partie de la tournée de 1883. Je pense que c'était Duncan Bowie. Duncan Bowie, c'était... Duncan Bowie. C'était un avocat qui, justement, a fait ses études en droit ici à l'Université McGill. Je pense que c'était en 1873. OK. D'autres questions? Oui? Oui. Oui, oui, c'est ça. C'est important, ce petit bout-là. C'est parce que... Oui, cette histoire-là, puis c'est quand même... Il y a des choses assez, même, je dirais... J'ose pas dire le mot drôle, là, mais c'était une espèce de machiavélisme à un moment donné. C'est parce qu'on envoyait, on utilisait des Autochtones pour faire la promotion du nationalisme canadien, de l'immigration. Puis de l'autre côté, on prenait les terres des Métis et on les donnait aux nouveaux colons. C'est comme si moi, j'arrive chez toi, j'arrive dans ta maison, puis je te sors là, je te dis « allez-vous-en maintenant », puis là, je commence à clôturer ton terrain, puis je vends ça morceau par morceau. Je sais pas, mais moi, j'aurais été un petit peu frustré de ça. Puis ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que un siècle et quelques plus tard, on dit que Louis Riel, c'était un des pères fondateurs du Canada. C'est... Des fois, j'ai des frissons. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Là, c'est... Mais au moins, on évolue, puis le Canada est de plus en plus tolérant vis-à-vis des Autochtones, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. On le voit avec les 1200 femmes autochtones qui sont disparus.
ça traîne toujours. À Val-d'Or, c'est la même histoire. Il y a plusieurs autochtones, femmes autochtones qui se sont fait agresser par des hommes de la Sûreté du Québec. Mais encore là, vous voyez que c'est toujours en longueur. Fait que lorsque j'entends mes frères Mohawks, j'entendais mes frères Mohawks dans les années 1990 se plaindre que des gens veulent empiéter leur territoire qui est déjà assez rétréci comme ça pour faire un terrain de golf. Puis ça fait des années qu'ils se plaignent. Bien, c'est un peu normal qu'on assiste à des choses semblables aujourd'hui. Mais il va falloir que le gouvernement s'assoie vraiment, une fois pour toutes, avec nos frères, nos sœurs autochtones, pour résoudre vraiment les problèmes. Parce que si on prend tous les Autochtones du Canada puis on fait un pays avec les Autochtones canadiens, ils seraient plus pauvres qu'Haïti. Puis si, on n'a pas besoin d'aller bien loin, même dans la province du Québec, les Atikameks, entre autres. Là, les Atikameks, ben ils n'ont même pas l'électricité, puis ils vivent des fois à 300 mètres d'un barrage électrique. Les enfants, à 5 degrés, sont en petite camisole, nu-pieds dans la maison, les toilettes sont à l'extérieur. C'est ça qu'il faut décrire. Puis il faut défaire tous les mythes aussi, toutes les fausses croyances autour. Ah, ils sont bien, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas de taxes. Moi, j'essaie de défaire ces mythes-là. J'essaie de faire en sorte de mettre les gens là. Est-ce que vous iriez vivre, vous, sur une réserve autochtone? Je pense que la réponse est à 100% non. Je n'irai pas. C'est beau, madame? OK. D'autres questions? C'est beau? OK. Bien, merci.